m'attends au pire. Je vais en baver, je pense. Je crois que je vais en baver avec les deux, parce que là, en fait, on est un trio. Ça a l'air chouette, d'un lac à l'autre. C'est ça qui est pratique, c'est quand on s'inscrit, bah, on s'attend à rien, parce qu'on sait pas ce qu'il y a. Pour fêter les 10 ans du trail des passerelles du Monténard, on a proposé un parcours inédit nommé les Mystères du Drac. Spécificité, quand on a imaginé ce parcours, c'est que les coureurs allaient découvrir le parcours seulement au moment de la course, avec un départ au barrage du Sauté. Les territoires du Trièves Van Lem Matezing sont souvent un peu inconnus dans le milieu du trail, mais qui sont des super terrains de jeu. Très très heureux que l'épreuve ait pu devenir une des références du calendrier en France. Le temps est magnifique, le paysage, incroyable. Ah bah c'est trop beau quoi, faut absolument venir, c'est magique. Ah, c'est génial. Hein. Ah, on s'attendait pas à ça. Merci les gars, bravo. Bravo, top. Oh putain, j'avais ça. Ah, le parcours est magnifique. J'ai jamais eu un parcours aussi beau. C'est magnifique, c'est génial. C'est dur, ça descend, ça remonte. Mais t'es bien solide toi là. Ah, le parcours est magnifique, mais il est dur. Bon, bon, bon. Heureusement, hein, parce que autrement on aurait abandonné déjà. Surprise très originale. Ouais. Merci. Et puis ensuite une seconde partie un peu plus traditionnelle pour le trail des passerelles du Monténard avec la passerelle du Drac où les coureurs passent à proximité puis ensuite ils traversent la passerelle de l'Hébron avant de rejoindre la ligne d'arrivée à Tréfort. Ouais, je connais parce que je suis de la Mure, donc je connais bien, mais c'est magique toujours. C'est énorme. Je suis flippée, flippée. Dites que j'arrive. Ça fait 650 km pour venir là. Je suis pas déçu. On a gagné. Magnifique, je réalise un rêve. Il faisait partie de la liste de mes envies. Oui bien. Oui bien. Perfect. On l'a fait, mais on n'a pas regardé en bas. On va attendre avant d'en refaire un autre. On va se remettre de celui-là déjà. Chaque chose en son temps.